Gogol, là, il est content avec sa ferme, là. Gogol est content. Il transforme tout en désert. Gogol est content. Regarde là-bas. Regardez là. Ah, il y avait des caméras à plus de 10 mètres de haut. C'était limité à 80. Eh ben ouais. Pascal qui a les PV qui tombent et puis on dit que c'est lui le terroriste. Tiens, tu la vois celle-là ? Ouais. Ouais, ouais, bah oui, il faut faire attention, il faut respecter les limites de vitesse. C'est comme ça que je me suis retrouvé à ce que mes charmants associés m'ont laissé 80 PV avec le nombre de points qui va avec, des évasions au niveau des péages, etc. Et à un moment, on recevait pratiquement toutes les semaines un PV qui concernait le nouveau véhicule de Witowski. Tant qu'il a utilisé mes véhicules, eh bien, il m'a laissé une ardoise de PV parce qu'évidemment, il conduit très mal, tout comme il se conduit très mal. On vous montrera tout ça parce qu'on a les preuves de tout. On va avoir une nouvelle vidéo qui va sortir où je vais mettre en évidence ses mensonges. On va vous apporter la preuve qu'il a avoué les vols. Puis pour la tentative d'assassinat, eh bien, il y a le témoignage de Jocelyne, mais d'autres personnes qui sont ici. Voilà. Mais c'est des gens qui ont un culot phénoménal, ça a marché toute leur vie depuis des générations. Et donc pourquoi arrêter une méthode qui a toujours bien marché jusqu'à présent? Ça permet même de finir, pas général, mais presque, et préfet, mais pas ministre. Voilà. Il y a quand même des familles de crapules. Mais la République, c'est une institution où fourmillent les crapules. Vous l'avez compris, la République, c'est l'institution de la crapulerie organisée. C'est une association de malfaiteurs, la République. La franc-maçonnerie, ça l'est devenue puisque les républicains en ont pris le contrôle. Sinon, regardez le Brésil, c'est un joli pays, il y a de beaux arbres. Regardez ce massacre. Ça, c'est la culture blanc vaché, la culture édomite. Ici, c'était une forêt tropicale. Regardez ce que c'est maintenant. Voilà, alors une fois de plus, vous avez la preuve de à quoi conduit la culture édomite. C'est-à-dire la culture de l'ère du taureau, de l'ère de la vache. Lorsqu'on est passé dans l'ère du bélier, il fallait passer à un autre animal, c'est-à-dire le bélier qui, lui, eh bien, quand la population humaine est importante, crée moins de pression sur l'environnement. Et pendant l'ère du poisson, il fallait privilégier une alimentation au poisson. Voilà. Et pendant l'ère du verseau, il va falloir privilégier une alimentation avec de l'eau parce que c'est à partir de là que vont se faire les coudes dans l'hémisphère nord. Voilà. Ici, on rentre dans l'ère du lion. À l'ère du félin, donc on est en mode inversé, et eh bien il y a plein de manifestations, notamment dans la grotte où on est allé visiter. Je vous raconterai ça dans le détail, c'est assez intéressant. Voilà, donc on continue notre voyage avec nos amis les patachons. Voilà, et une fois de plus, vous avez là eh bien la conséquence de ne pas respecter les cultes religieux. Pendant l'ère du taureau, il fallait manger du taureau, puis après il fallait arrêter la culture de la vache, elle devait devenir très marginale, ce que les gens ont fait en Inde. Et pour ne pas l'avoir fait, la population humaine ayant augmenté, ça a créé une pression sur l'environnement qui est trop forte. Et ça transforme la planète en désert, voilà, et ça crée le malheur des peuples comme ceux des Patachons, qui ont vu leur environnement être détruit par une bande de sauvages. Arrivés des plaines d'Asie centrale et des plaines d'Europe orientale, qui ont débarqué ici et qui n'ont pas réfléchi et qui ont voulu se comporter comme ils se comportaient en Europe. Alors, tant qu'on fait des vaches dans des clairières en fin fond de la Pologne, de l'Ukraine, de la Gogolzanski, c'est pas très grave. Mais quand on arrive ici et qu'on a ce genre de comportement, ça crée un désastre d'abord culturel, humain, environnemental, social, à tous les niveaux. Donc on est vraiment dans un comportement criminel, et ces édomites sont des criminels tout simplement parce que ils ont été très imprimés par l'ère du taureau, et ensuite ils n'ont pas su s'adapter dans les ères suivantes à cause de cette impression. Cette impression, la Bible nous explique, les rabbins nous expliquent, c'est dû à la teneur très forte de leur visage en fer,
qui leur donne d'ailleurs souvent des taches de rousseur ou ce visage rouge, rouge de cette de honte en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à cause de leur réaction à l'électromagnétisme terrestre, eh bien, vont être attirés en particulier par la viande de vache qui est très chargée en fer. Donc on voit que derrière la symbolique, il y a quand même des traditionnels, il y a aussi des messages au niveau endocrinien, au niveau du comportemental, au niveau social dont il faut tenir compte. Voilà. Donc on ne peut pas décider du jour au lendemain d'apostasier le judaïsme quand on est d'origine khazare, parce que sinon on devient une vieille sorcière qui pue. Et puis on ne peut pas non plus décider d'apostasier le christianisme quand on est un édomite, parce que ça a des conséquences, on devient c'est pas un clodo, on devient un vieux clodo alcoolo. Voilà. Et entre le clodo et alcoolo et la vieille sorcière qui pue, et bien on a le tandem édomite. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Un gouilleur d'enfants? Mais lâchez-moi ça, nazi! Un vieux pas monsieur, ce n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler chaque carte, chaque couille, et qu'il prenne de la jumelle. Anaé, Krampus, Maloum! Qu'est-ce qu'il dit? De faire rajeunir cette vieille chouette. Impossible. Mais où est-elle? Elle va revenir. Quelle jouissance de se retrouver avec part de pucelle. Les édomites, eh bien, ils ont tendance à avancer masqués, d'ailleurs comme les khazars, les khazaro-édomites, c'est une des règles des deux. Vous n'avez jamais entendu parler des édomites avant que je vous en parle, pourtant les rabbins m'en rabâchent le bourricot depuis que je suis petit. C'est même le sujet préféré des rabbins, puisque c'est la cause de la destruction d'Israël, c'est les Maccabées, c'est l'introduction d'édomites dans la succession du roi David. Hein. Il ne faut jamais laisser les édomites conquérir le pouvoir, il faut leur barrer le chemin parce que sinon ce sont des anormaux et très vite vous allez voir, ils sont là pour de la razzia et ils sont là pour de la sorcellerie et de passer lié à l'humanité antédéluvienne, c'est lié au fait qu'ils sont des gènes néandertaliens plus que chez les homo sapiens sapiens, donc c'est des homo sapiens sapiens mais avec plus de gènes néandertaliens que les autres, donc ça crée un certain nombre de caractéristiques au niveau psychologique qui font qu'ils ont une pression trop forte sur l'environnement. Bolo, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Bolo, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Hey, bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. 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 Hey, bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Krishna, 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 Krishna.
Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. Bolo Radhe Krishna. En phréatique, puis en mettant des fertilisants. Donc fertilisant plus arrosage, eh bien ça pousse, mais après petit à petit vous allez avoir des plaques qui vont apparaître de sel et il n'y a plus rien qui va pouvoir pousser. Donc on est vraiment dans une désertification d'un pays amazonien et tropical par l'imbécilité humaine pure, celle de blanc vaché, le gogol à vache, avec son culte du veau d'or, qui passe de la ferme, ils vont se multiplier comme des lapins jusqu'à ce que le sol crève, et ensuite ils vont migrer, ils deviennent des radieurs. Donc quand ils sont installés, eh bien on a la sédentarité déviée. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que ça donnait en fait des hommes qui développent des religions erronées et des femmes qui sont des voleuses. Et ensuite, quand c'est du nomadisme dévié, eh bien, on a le contraire. C'est-à-dire on a des hommes qui sont des voleurs, des radieurs et des femmes qui sont bien des sorcières, voilà, avec des religions erronées. Et alors, ils passent de l'un à l'autre, c'est-à-dire une civilisation, pseudo-civilisation complètement destructrice à du nomadisme dévié. Et c'est des gens qui vont du nomadisme dévié à la civilisation irrégulière en semant derrière eux la mort et la destruction. Là, vous avez l'industrie chimique, c'est encore pire. Ça, c'est le pompon. Il ne manque plus que l'usine atomique et là, on a la totale. Bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe. 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 Bolo Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Radhe Radhe.